Bienvenue mes petits loups pour une nouvelle vidéo sur un fameux second son. Alors, ceux qui se rappellent bien, il est sorti, enfin, faire un an, il est sorti le 21 mars 2014. Et donc, je me suis dit que pourquoi pas un petit rappel des anciens jeux qui est sorti sur un des premiers jeux qui est sorti sur PS4. Donc voilà, donc pour ceux qui connaissent pas, bah. C'est un jeu d'action sur PS4 qui vous met dans la peau d'un jeune homme doté de super pouvoirs. On y incarne un jeune homme Delphine Ro, bien décidé à sauver sa tribu et qui part pour cela à l'assaut de la ville de Seattle et plus précisément du DEP. DEP qui est un organisme qui, en gros, qui forme qui contrôle les personnes qui font porteurs de super pouvoirs comme nous. Donc voilà. Action, atteignement de 16 ans, et à l'époque, je m'en rappelle bien, il avait une note de 16 sur 20, donc c'était une assez belle note pour un premier jeu sur PS4. Donc, alors, au début du jour, on commence par le pouvoir de la fumée. Voilà, je vais recharger mes batteries. Donc là, on va faire une petite vidéo de détente, voir découvrir un peu le jeu, les petites missions secondaires et tout, ceux qui connaissent pas, mais bon, ça m'étonnerait que personne connaisse. Donc alors, c'est vrai qu'à cette époque-là, c'était pas mal hein, quand même. La PS4, là, hein, ça a trouvé la PS3. C'était vrai qu'on pouvait vraiment voir la différence entre une PS3 et une PS4. C'était un premier jeu où on pouvait faire la différence. Alors là, qu'est-ce qu'on a, on doit faire. Alors, tiens, on va les taguer. On va les taguer. Comment je fais un petit moment que je vais pas rejouer. Je l'avoue. On va faire un marqueur. Allez, on va les taguer. Parce que là-bas, c'est un tagueur. Ah, voilà. Là, vous pouvez voir devant moi, c'est des tours des postes de garde, on va dire, qui scannent. Vous voyez les personnes là, autour droite. Ils scannent les personnes, voir si ils sont dotés d'un pouvoir ou pas. Vous pouvez voir, il passe sa main sur l'appareil et il dit si il a fait pas pouvoir. Regarde, je l'ai utilisé. Regardez bien. Alors, est-ce que il veut que je scanne? Ok, avec pas tactile. Voilà. Il scanne, attention. Et là, il m'a vu un super pouvoir. C'est pas bon. Et là, et là. Donc, on détruit tout. Là, on a une chaîne, on dit d'armes. Vous pouvez voir qu'avec la fumée, on peut quand même faire différents parcours. Donc, on est mieux là, hop. Voilà. On peut tout détruire. En fait, ces petits trucs là que je viens de ramasser, c'est des petits fragments qui permettent de débloquer des améliorations de pouvoir. Tu pouvais aller là-haut, ça va. Qu'est-ce que tu Bon, pas grave. Là, c'est là où ils détiennent les gens. Voilà, je vais plus dire. Ah, on me tire dessus encore.
Voilà. J'ai fait le ménage. C'est mon idole. Merci, merci. Allez, on va le tailler. Comme on va pouvoir fumer, on peut passer dans les ventilations. Hop, et on monte plutôt directement. C'est rapide. Voilà. Bien foutu quand même. Allez, on va le taguer. On fait coup la manette pour faut coup la bombe. Voilà. Et c'est parti. Ouais, ouais, je crois qu'on peut avoir de la gueule. En fait, là, le viseur, on le fait bouger avec la manette, en fait. On bouge la manette. Et là, il va goûter sa petite touche personnelle qu'il va donner. Voilà. Pas mal, hein. Alors, il y a comme phase 2 comme petite mission secondaire. Alors, hop, hop, donc là, je fais... Ah, ok. Un convoi. Pouvoir, je peux faire des quoi d'autres pouvoirs. Là, je peux avoir le pouvoir de... Le pouvoir du néon. Qu'on débloque par rapide dans le jeu. Bien sûr, on comprend pas le jeu avec tous les pouvoirs. Bien sûr. Voilà. Parfait. Oh. C'est quoi ça? Bon. Voilà. Un ennemi qui a aussi un pouvoir. Il n'y a pas que nous qui avons les pouvoirs, heureusement. Ah, le béton. On a le pouvoir béton, en fait, c'est le dernier pouvoir qu'on débloque dans le jeu. Voilà. Du coup, on a 4 pouvoirs. Le pouvoir fumer, le pouvoir béton, le pouvoir néon, et le pouvoir... on a un café, mais c'est plus lequel. Excusez-moi, j'ai un trou de mémoire. Excusez-moi. Hop, on va faire le bateau. C'est le temps de l'histoire. Oh. Ah, on va en interdit. Ah ouais. C'est la côté de la zone DUP en fait. En fait, c'est une zone qui permet de, au DUP de contrôler le quartier en fait. Ah. Ils m'ont eu. Ils m'ont eu. Ah. Ah, la vidéo, voilà. J'ai cassé la vidéo. Ah, ce pouvoir-là, c'est pour tout ce qui est... électricité, en fait. Il va pas faire vidéo, mais on va pas faire électricité, en fait. C'est sympa, hein. C'est sympa. Ah. Tiens, j'en peux faire d'autres. Attends, je vais vous montrer quoi. Je peux vous montrer d'autres... Ah, vous montrer la grandeur de la marque. Attends, de la map. A fait 14 filters en fait. Qui a fait étendu, on va dire. Hein. Bon, on a eu plus grand comme map, hein, c'est sûr, mais bon. En fait, cette mission là. Le marqueur, voilà. Ah, en fait, cette mission là, faut que fermer en fait. Ah.
C'est en fait on va on doit éliminer une personne en particulier. En fait une personne qui a des super pouvoirs comme nous, mais en fait au lieu de aider les gens, ils aident les DUP. Ah tiens le néon. Il y a plein de. Comme pouvoir pour la map en bas à droite, les petits trucs violets, c'est le néon. Voilà, c'est sympa assez hein, c'est beau hein. Le mieux c'est la nuit, la nuit c'est franchement. Ah, là, actuellement on peut grimper sur les murs. Voilà. On y arrive à notre mission. Allô, ah, tout en bas, ok, on descend, hop. Voilà, la photo que vous voyez, c'est la personne qu'on a éliminée. Un avant du DP s'est mêlé à la faux, utiliser la photo pour le trouver. Voilà, en venant, ils font à part en fait. En gros, il faut. Le mieux, c'est que vous le repère avant qu'il nous repère. Que s'il nous repère, ils font vont en courant, puis après, pour rattraper, c'est tendu. Alors. Ah c'est lui, ah. Ah pour choper après c'est dans du cœur. Allez par pas. Après c'est dans lui, je vous dis pour le faire attraper c'est dans lui. Voilà bon là ça va la fait que je suis le point néon mais. Au début, quand t'as le poids que de la fumée, c'est plus tendu pour le rattraper. Ah, ils sont plus. Je suis hors de là, je peux pas la. Ok, ok. Ok. Allez, là, il est parti, il est parti, il est parti. Change de métier, voilà. Mon vieux. Nickel. Attends, donc là je vois une petite furgonne sur ma map, ça sert à quoi la petite. Ah quoi c'est pour le trafic en drogue je crois il me semble. Il me semble. Ouais, en fait c'est un trafic de drogue en fait. Et nous on doit l'arrêter. En fait, voilà. Ah vous pouvez montrer le pouvoir du néon, la vidéo. Bah en fait je vous montre tous les pouvoirs en fait qu'on peut avoir, le béton, le. Le point de la vidéo, le pouvoir, la fumée et du néon quoi en fait. Je me trompe pas. Voilà, allez à droite. Voilà, vous les détruites. D'accord. On va faire une. Voilà. Fois vous l'exécute, fois vous le maîtrise. Le maîtrise. Alors on a. Alors on a aussi la possibilité de le finir en. En fait, en quelque sorte, il peut avoir deux fins. Une fois en finir, on peut être en mode gentil, on le fait en mode gentil, ou on peut le faire en mode méchant. C'est-à-dire qu'il y a le côté obscur. Donc, si mon gameplay vous va plus, est-ce que ça vous dit que vous fassiez un petit let's play, mais en mode méchant? C'est-à-dire de faire le jeu avec vous, mais en mode méchant. Est-ce que ça vous dit? Dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose que vous en pensez ou pas. Ou vous voulez voir d'autres vidéos détente qu'on vient de le faire, avec d'autres petites missions sympas. Donc la suite vous dit à très vite, à très bientôt. Bonjour monsieur les vendards hein. Et on se dit pour une prochaine vidéo, pour de nouvelles aventures et un petit pouce bleu, ça fait pas de mal. Allez, salut mes petits loups, bye bye.